Bonjour à vous. Alors, je vous propose aujourd'hui un jeu, le jeu du berger, une sorte de casse-tête ou énigme qui peut jouer tout seul ou à deux, c'est plutôt coopératif à deux. L'idée, cette case, là j'ai pris des feuilles de Rumex comme ça pour les poser, ça fait mes cases. Je peux prendre comme astuce une petite épine d'arbre. S'il y a du vent, je pique, je plante sur mon bout de bois, je plante mes feuilles pour pas qu'elles s'envolent. C'est une petite astuce. C'est de l'épine noire, par exemple. Alors, il me faut 3 moutons blancs. Là, j'ai pris des cailloux, mais ça peut être autre chose. Et 3 moutons noirs. L'idée, c'est que les moutons blancs veulent passer de l'autre côté, les moutons noirs dans ce sens-là, et ils veulent inverser, mais il n'y a qu'un chemin. C'est au-dessus d'une crête ou dans un canyon, suivant l'histoire. Et on avance. Donc, les règles, on peut avancer sur une case vide, ou alors, on peut sauter par-dessus un autre mouton. Pas deux, mais un seul. Donc on essaye, donc je veux aller, les moutons blancs vont que dans ce sens-là, les moutons noirs que dans ce sens-là. J'avance, si je fais ça, là c'est coincé, le mouton noir ne peut pas passer, on est bloqué. Donc je recommence, j'avance comme ça, là je peux sauter par-dessus, là j'avance, je saute par-dessus, là j'avance. Voilà, j'ai réussi à faire passer un mouton noir, mais pas les autres, tout est bloqué. Donc c'est pas la bonne réponse. Donc voilà, à vous d'essayer. Je peux préciser qu'on n'est pas obligé de jouer chacun son tour. Ça peut être plusieurs fois une couleur ou plusieurs fois une autre couleur. Je vais passer à la réponse. Donc, si vous voulez essayer sans la réponse, même en la voyant, vous aurez peut-être du mal aussi. Mais coupez la vidéo et puis revenez après pour voir la réponse. Alors, la solution, je vous montre. Je vais essayer de m'en souvenir. On avance. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et voilà la réponse. 3 moutons noirs sont de ce côté, les moutons blancs sont de ce côté. Voilà. Vous pouvez faire ça avec du groupe, avec les enfants, j'aime bien faire. Je les mets par deux, après ils viennent me donner la réponse. Des fois, ils ont réussi, mais ils n'arrivent plus à me montrer, donc c'est assez rigolo. Donc, avec des éléments naturels, des feuilles, facile à faire, mais l'énigme n'est pas si évidente. Eh bien, maintenant, à vous de jouer.